nous voulons un changement. Nous voulons que Haïti ne va pas produire rien encore. Nous voulons que la classe paysanne est délaissée. Il n'y a pas de droit à rien, nous ne produisons rien encore, nous importons tout le bagage. Pour que les jeunes filles 14-15 ans qui sont avec 50 ans, qui ont payé un carte téléphone, qui ont payé le loyer pour maman et papa. Nous pour que les jeunes garçons, pas jamais espoir qu'un jour, la cache ton petit machine pour nous rouler. Nous pour que nous ne pouvons pas nous côté de braler. Nous pour que nous envahissons la patra. On tire la boue tombée, l'eau entre caille, tout malheureux. Nous pour que nous construisons nos patra. Nous pour que nous ne prenons aucun côté. Nous faisons match ça. On mange vers la résidence, on mange vers un changement pour changer le système ça, qui fait que Haïti n'a jamais rien à vivre. Même là, nous montons président le 28 novembre, c'est pas une victoire ça. La opportunité pour nous capables de faire le travail que nous voulons faire. Nous ne pouvons pas voir Michel Martelly monter pour le président pour avoir une victoire. Victoire par nous, c'est là nous finissons dans 5 ans. Pour nous regarder, pour nous voir ça nous fait, je ne change le pays, je ne commence à changer l'attitude de la population, je ne commence à produire, je ne respecte l'artisanat, nous avons produit l'artisanat avec le niveau artisanat, je dis que nous commençons vraiment à aller à l'école, c'est ça qui a une victoire pour nous. Mais extrême urgence, c'est le monde qui a pris en battant. Il faut gérer ça. Tout de suite après, il faut commencer à création d'emploi. Nous avons meilleur gens, c'est des paysanniers et au travail. Paysanniers au travail, qui veut dire que l'exode qui a fait bien pour le président, il va faire encore.